Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Lunishmat Zara Bat Mazel Tov Shish Portish. Et notre regretté Guy Yaakov Ben Blanche Hadjadj. Si vous souhaitez, vous aussi, désirer une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Metsiya Perektet Mishnatet. Amekabel Sadem et Chavero Leshanim Mu'atot. Lo Israena Pishtan Ve'en lo Bekorat Shikma. Kibla Emenu Lesheva Shanim. Shana Rishona Israena Pishtan. On continue la Mishnah avec le même principe que la Mishnah précédente. On traduit directement, on en interprète ensuite. Amekabel Sadem et Chavero. On parle toujours d'un agriculteur qui prend le bail d'un champ. Et quoi? Les Shanim Mu'atot. Pour une courte durée. Des années petites. Peu d'années. On va déduire de la Mishnah de la suite de la Mishnah qu'on parle en réalité de 7 ans. Moins de 7 ans. Alors la Mishnah nous dit, ah, tu as pris le champ pour moins de 7 ans. Lo Israena Pishtan, tu ne pourras pas cultiver du lin. Ve en lo Bekorat Shikma. C'est quoi des Korat Shikma? Korat Shikma, Shikma, c'est un figuier. Korot, c'est des poutres. Il n'a pas des poutres du figuier. On traduit la suite de la Mishnah ensuite, après on explique. C'est-à-dire comme ça on aura la Mishnah, les deux aspects. La réciproque maintenant. Kibla emeno le sheva shanim. Par contre, s'il a pris le bail du champ pour 7 ans, shana rishona israena pishtan. Pour la première année, il aura le droit de cultiver du lin. Veyesh lo bekorat shikma. Et il aura aussi un droit de prendre des korat shikma, des poutres du figuier. De quoi parle-t-on? C'est très simple. Lorsque je prends le bail d'un champ, le principe est clair. Lorsque je vais en ressortir, je dois me débrouiller pour qu'il soit dans le même état où je l'ai pris. On va d'abord parler du cas d'abord plus simple, du cas des poutres du figuier. Supposons qu'on parle d'un cas où il y a un champ que je dois labourer, mais en plus de ça, sur le côté, il y a un figuier. Maintenant, dans le figuier, apparemment, il y a des... Ouais, il y en a beaucoup en Israël, on voit que c'est un bois apparemment bon, quoi, intéressant. En tout cas, on utilisait apparemment ce bois pour en faire des poutres. Alors, question. J'ai pris le bail du champ, donc je l'exploite. Il y a dans ce champ un figuier. Ai-je le droit de partir, couper une branche pour l'utiliser ou non? La Mishnah me dit, ça dépend. Si je l'ai pris pour moins de 7 ans ou plus de 7 ans. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire 7 ans? Le principe, il est clair. Lorsque je coupe une branche, ça prend 7 ans pour que l'arbre redonne une nouvelle branche. Donc, première année, puisque je l'ai pris pour 7 ans, j'ai le droit de supprimer une branche. Puisque d'ici 7 ans, la branche que j'aurais pris, elle aura eu le temps de repousser et de... D'accord? À la différence du cas où je le prends pour moins de 7 ans. Si je coupe la branche, il va s'avérer que lorsque je vais sortir du champ, il y aura un figuier avec une branche en moins. Là, ça ne marche plus, je n'ai plus le droit de le faire. Même principe avec le pishtan. D'abord, je vous donne la halakha telle qu'elle, après je vous explique, j'ai un petit problème technique dans cette Mishnah. D'abord, on explique le cas. Le cas, il est très simple. On avait rapporté la notion hier, déjà. Lorsque l'on cultive du pishtan, du lin, le lin affaiblit terriblement le sol. Il puise plein de force. Pire que ça, la Gemara explique que une fois que vous cueillez le... Une fois qu'on cueille le lin et que même on va labourer le champ derrière pour ne plus laisser de traces, pendant 7 ans encore, il va rester dans le sol des petits bouts de racines qui vont continuer à se redévelopper et à continuer à pomper des forces du champ. La convalescence après avoir cultivé du lin, si on va en faire autre chose, pour que la nouvelle espèce que l'on va ensuite, cultiver ne va pas, va sortir avec toute la force du champ, sans que le champ soit occupé à donner sa force, à faire pousser des racines de lin qui n'ont plus d'intérêt, il faut attendre 6 ans de culture, ça fait la 7e année uniquement, 7 ans après seulement, on sera sûr qu'il y aura plus de, on aura rectifié, réparé les dégâts occasionnés par le lin qui a été labouré. De ce fait, le principe de la Mishnah est clair. On reçoit un champ pour le cultiver. Est-ce que j'ai le droit de cultiver dedans du lin ou non? Réponse, ça dépend. Tu as pris un bail pour combien de temps? Si tu l'as pris pour 7 ans, alors tu vas être le seul à subir les conséquences du fait que tu affaiblisses le champ. Tu as le droit de labourer. Si tu as pris un champ pour moins de 7 ans, donc il va s'avérer que tu vas rendre un champ
fatigué à son propriétaire, t'as pas le droit de cultiver du lin. Le principe, il est clair. J'ai un problème maintenant technique. Au sens simple, je comprends que la Mishnah parle du cas où l'agriculteur n'a fixé aucune condition de ce qu'il allait cultiver, de ce qu'il allait cultiver avec le propriétaire. Il n'a pas parlé de... précisément, il n'a pas précisé quelle espèce. De ce fait, la Mishnah vient me dit, tu sais, t'as un éventail relativement large, mais il y a des choses que t'as pas le droit de faire, c'est celle qui esquinte de trop le sol, en l'occurrence, le lin uniquement. Mais par contre, pour rester sur les cas de la Mishnah, tu auras le droit, si tu veux, de cultiver du blé, de l'orge, des légumineuses ou même des céréales, on n'a pas de problème. Ça, comme ça, moi, personnellement, j'ai interprété la Mishnah. Le problème que j'ai dans le... et que le Tosot Yom Tov rallonge sur un détail qu'on a évoqué très rapidement hier, une grande marloquette entre le Ramban et Rashi, comment interpréter ces Mishnayot. Mais concrètement, en tout cas, le Tosot Yom Tov, du Tosot Yom Tov, on déduit que l'on parle du cas au même où l'agriculteur a pris le bail avec intention de cultiver des céréales. Et malgré tout, la Mishnah vient me dit, tu sais, je vais t'apprendre quelque chose d'intéressant. Sache que hier, dans la Mishnah précédente, je t'interdisais de changer d'espèce dans la mesure où tu vas affaiblir davantage le sol. Cette Mishnah maintenant vient et nous enseigne qu'il est cependant parfois permis de changer dans la mesure où tu vas être le seul à encaisser les dégâts du champ le fait que le champ va être affaibli. Comme ça le Tosfot Yom Tov explique, suite à ça il pose plein de questions. En fait, j'ai pas de questions à vous dévoiler, j'ai des questions selon Tosfot Yom Tov qui, suite à ça, a posé plein de questions. On aurait pu expliquer concrètement, quoi. C'est-à-dire, je vous propose deux explications de la Mishnah. Au sens simple, on aurait pu expliquer donc la Mishnah qu'on parle, où l'agriculteur n'a pas posé de conditions, et malgré tout, la Mishnah vient le restreindre. Et le Tosfot Yom Tov a compris qu'on parlait d'un cas encore plus fort que ça, d'un cas où explicitement, ils ont expressément évoqué les céréales, et malgré tout, la Mishnah vient me dire, tu sais, tu veux, tu as même le droit de cultiver du lin, dans la mesure où, jusqu'à que tu vas rendre le champ au propriétaire, le champ, il aura eu le temps de se retaper, il aura passé ses 7 années de convalescence, et donc tu auras le droit de le faire. C'est intéressant, finalement. Et j'ai aucune question à vous faire part, j'ai des questions techniques, comme ce que je vous ai dit, mais ça ne vous concerne plus. Et on fait à présent le Barthénora. Les Shani Muatot. De quoi on parle? Les Shani Muatot, donc, c'est qu'il a pris un bail pour une courte durée. Parchot Misheva, Shanim, moins de 7 ans. Loïsraïna Pishtan, il n'aura pas le droit de cultiver du lin. Pourquoi? Shezera Pishtan, Makrish, Ba'aretz, Arbe. Parce que les graines de lin, Makrish, elles épuisent, elles affaiblissent, Ba'aretz, Arbe, dans la terre, beaucoup. Vesharashav, Nisharim, Bakarka, Ad Shevashanim. Et ses racines restent, perdurent, dans le sol. Encore pendant 7 ans, c'est-à-dire même si on va labourer histoire de les casser et de les tuer, elles vont encore rester encore en train de vivre et donc puiser des forces et affaiblir le sol davantage. Venlo bekorat shikma, la Mishnah nous enseignait qu'il n'avait pas le droit de prendre des korat shikma, des poutres du figuier. Entre parenthèses, il y a ici un Melechet Shlomo qui rapporte au nom du Levouche que les korat shikma, ce sont en fait des ilan srak, des arbres qui ne sont pas fruitiers. Je ne sais pas comment ça s'arrange, parce que Shikma, dans tout le chasse, on parle en réalité de Shikma. Shikma, c'est un figuier. Techniquement, c'est une question technique. Bon, ça touche un autre domaine, il khati. Est-ce qu'on a le droit d'abattre un arbre fruitier pour en tirer des poutres? Il y a une grande souga dans le chasse. En tout cas, le Barthénora, lui, il explique qu'on parle effectivement de figuier. Vekotetim anafav le korot abinyan. Et on a l'usage de couper ses branches pour l'utiliser pour faire des poutres d'immeubles. Vehem chosrim vegedelim. Et ensuite, ces branches repoussent. Ou pachot mishevashanim enan naasot korot. Et en moins de 7 ans, alors les branches n'ont pas le temps de redevenir des poutres. Par contre, hilkar kibla le pachot mishevashanim lo yakutz korot sheba. C'est pour ça que s'il a reçu le champ pour moins de 7 ans, alors il n'aura pas le droit de couper ses branches. De la vadata de korot nachit. Parce que dans ce cas-là, l'agriculteur n'a pas, tacitement, on parle où il n'y a eu rien et où il n'y a rien eu d'explicite finalement dans leur contrat. Mais comme ça on interprète où se trouve la limite logique, d'accord? C'est fréquent.
lorsqu'on a un contrat explicite, donc c'est, on n'a pas de problème, c'est un contrat explicite, lorsqu'on a un contrat qui n'est pas assez explicite, alors il va falloir déduire où se trouve la limite de chaque chose, la limite logique. Et en l'occurrence, puisque tu as pris pour moins de 7 ans, tu as pris le bail, donc on conclut que le propriétaire ne l'a pas laissé exploiter les korot shikma, ces fameuses poutres. Des bechani moi, totenan chosrim les korot, parce qu'en peu d'années, elles n'ont pas le temps de repousser. Aval kibla les sheva shanim, par contre, s'il a pris le champ pour 7 ans, shanarishona zora pishtan vekotest shikma sheva. Pendant la première année, l'agriculteur aura le droit de cultiver du lin et même de couper ses poutres. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.